C'est la 81e édition du Rallye Monte Carlo, sans doute le plus prestigieux des rallyes au monde. Des spéciales de légende, des routes mythiques, tous les grands pilotes l'ont gagné à Kiel Tour en 2013. Au menu de ce programme, un focus bien évidemment sur Sébastien Loeb et son programme partiel pour cette année qui fait évidemment beaucoup parler de lui. Il n'y a pas de pression pour moi, c'est juste du fun. Voilà, le ton est donné. La menace Volkswagen qui devient une réalité, le programme officiel de la marque allemande est donc lancé. Si Volkswagen s'engage, croyez-moi, ça n'est pas pour faire de la figuration. Et puis, les coulisses également de ce Monte Carlo, avec la traditionnelle et épineuse question des choix de pneus pour les spéciales. Mats Hosberg, on le voit, bénéficie de l'aide de son père. Mais s'il se trompe, ce sera que de la faute du pilote. Voici le calendrier pour cette année 2013. Il y a de nouveau 13 épreuves au programme. Donc ça commence par le Monte Carlo. On ira ensuite en Suède et puis le Rallye de France-Alsace qui fait toujours partie du calendrier que disputera également Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui devrait faire donc le Monte Carlo, la Suède, l'Argentine et la France. Voilà les 4 rallyes qui ont été annoncés comme faisant partie du programme partiel de Sébastien Loeb. 4 jours de compétition pour cette 81e édition du Monte Carlo. 18 spéciales, 468 km de secteur chronométré. C'est le rallye à ce niveau-là, au niveau des secteurs chronométrés, c'est le rallye le plus long de la saison 2013. Mais on commence avec l'événement, peut-être, et de la saison dernière quand ils avaient annoncé leur arrivée, de l'intersaison puisqu'ils ont fait plein d'essais, et surtout les débuts officiels donc, de la marque Volkswagen pour cette nouvelle campagne, avec l'arrivée de la Polo R WRC, voilà. Citroën et Ford ne sont pas seuls, un géant de l'automobile arrive en rallye, Volkswagen donc. L'année 2012 a été consacrée à peaufiner la Polo R WRC. Plus de 20 000 km d'essai ont été effectués par la marque allemande, avec Carlos Sainz qui est venu aussi renforcer l'équipe allemande. Et puis les deux pilotes sont Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala. Et si vous ne le connaissez pas, voici le patron de cette structure de Volkswagen Motorsport, c'est Jost Capito. Alors son discours, il est simple, Volkswagen a décidé de s'engager en championnat du monde des rallyes, Volkswagen va mettre les moyens pour bien figurer, et si Volkswagen s'engage dans cette discipline, ça n'est pas pour faire de la figuration, mais évidemment c'est pour gagner à plus ou moins court terme. Une présentation officielle a été organisée à la mi-décembre 2012, à Monaco, un lancement en grande pompe. Et à cette occasion, les objectifs annoncés étaient plutôt modestes. On visait un podium, mais un podium non pas par rapport au championnat du monde global, mais épreuve par épreuve. On se demande donc, alors que le Monte Carlo va commencer, si Citroën est bien l'incontestable favori, mais surtout si chez Volkswagen, on ne cache pas un petit peu son jeu. Allez, la première spéciale de ce Monte Carlo 2013, la spéciale Le Moulinon-Entraigues, 37 km de long, c'est la plus longue d'ailleurs du rallye, donc ça commence fort. On est mercredi matin, caméra embarquée avec Sébastien Ogier, voilà, les 3 coups sont frappés, c'est parti pour la saison, c'est parti pour ce programme Volkswagen, c'est parti pour Sébastien Ogier, et c'est parti pour ce que à quoi on pense déjà très fortement, la bataille qui va l'opposer à Sébastien Loeb. Sébastien Ogier. Et bien malgré cette frayeur, vous disais-je, Sébastien Ogier donc, dès le premier secteur chronométré, apporte à Volkswagen sa première victoire en spécial. Le chrono à ce moment-là signé par Sébastien Loeb, le meilleur, 27-35-5. Et on vous le disait, ça va d'emblée être mieux pour Sébastien Ogier, qui devance et le tenant du titre et le nonuple champion du monde, bien évidemment, de 3 secondes 7. Donc le premier leader de ce Monte Carlo 2013, c'est bien lui, Sébastien Ogier. C'est un bon début.
Mais il faut rester calme. Tout ne fait que commencer. Il y a encore 17 spéciales. C'est rien, rien n'est fait. Mais déjà, on a le sentiment, mission remplie pour Sébastien Ogier, qui a montré que sa voiture était performante et donc le premier leader de cette épreuve, c'est bien lui. Allez, la deuxième spéciale, Burzé-Saint-Martial, 30 km et demi. On retrouve Sébastien Loeb, donc battu lors du premier 7 heures chronométré. Va-t-il prendre sa revanche ? Dans cette spéciale, il y a seulement 3 km qui ne sont pas recouverts par la neige et la glace. Retour à l'assistance à la mi-journée et confirmation, hein, Sébastien Loeb a bien remporté la deuxième spéciale. Il a devancé Sébastien Ogier de 10 secondes 4. Donc on inverse les rôles. Loeb est nouveau leader dans le classement général et Ogier passe à la deuxième position. Mais Jost Capiteau est évidemment très content de ses débuts de rallye avec cette première victoire scratch dès la première spéciale. Ce qui est important, c'est que d'emblée, eh bien, il n'y a pas de problème mécanique. Mais on ne peut rien prendre comme argent comptant, hein. Il faut tenir bon 4 jours, on prendra les choses les unes après les autres. Carlos Sainz, double champion du monde bien sûr, nous sommes très contents de ce départ. Mais vous savez, il y a tellement à faire encore pour aller jusqu'au bout de ce rallye, qu'on reste concentré. C'est difficile de savoir exactement quel est notre niveau, mais c'est bien parti, c'est sûr. Retour à l'assistance également pour Sébastien Loeb. Cette structure qui s'appelle maintenant Abu Dhabi Citroën Total Racing. Nouveau sponsor global pour l'équipe française. Et Sébastien Loeb donc pour le premier de ces 4 rallyes en 2013 qui a pris le commandement. Mikko Hirvonen, vous le savez, est son coéquipier pour ce rallye. Mais il a été surtout désigné comme le numéro 1 de l'équipe puisqu'évidemment le Finlandais va disputer l'intégralité du championnat. C'est peut-être l'heure venue, enfin, pour Mikko Hirvonen, déjà 4 fois vice-champion dans sa carrière, qui se voit là offrir un rôle de leader et avec la possibilité vraiment d'aller chercher son premier titre mondial. C'est d'ailleurs une des seules certitudes hein, pour cette année 2013. Il y aura bien un nouveau champion du monde dans la planète WRC, puisqu'avec 4 rallyes seulement, évidemment, Loeb ne devrait pas pouvoir jouer le titre. Et comme il est le seul ancien champion du monde au départ, il y aura donc forcément un nouveau nom dans le grand livre d'or du rallye. Le coéquipier de Mikko Hirvonen pour au moins 11 des 13 manches au programme. Et on est en train de travailler apparemment pour qu'il fasse l'intégralité du championnat. C'est Dani Sordo, donc l'Espagnol, qui revient chez Citroën. Il avait été pilote pour la marque au chevron il y a quelques années déjà, on s'en souvient. Il a souvent terminé deuxième derrière Sébastien Loeb. Donc pour lui aussi, hein, c'est une vraie chance de pouvoir briller de nouveau. Et on peut penser qu'il aura l'occasion d'aller chercher en 2013 enfin sa première victoire en championnat du monde des rallyes. Du côté des forces en présence et face à Citroën, on a donc parlé longuement de Volkswagen, mais il ne faut pas oublier les voitures Ford. Alors on parle des voitures Ford et non pas de l'équipe Ford, puisque Ford officiellement s'est retiré du WRC, mais la structure de l'anglais Malcolm Wilson subsiste. Et c'est donc un engagement privé qui s'appelle officiellement le Qatar M-Sport. Et le pilote tête d'affiche, le pilote numéro 1 qui a été recruté donc spécialement pour cette année 2013, c'est Mats Østberg, le jeune Norvégien, vous en souvenez, l'an dernier. Il avait gagné un rallye, son premier rallye en championnat du monde. Eh bien, il continue de gravir les échelons et il est donc maintenant le nouveau numéro 1 chez Ford, Mats Østberg. Et il sera accompagné d'Evgeny Novikov et de Thierry Neuville. Et puis Volkswagen, donc on y revient parce que ce sont bien eux qui font l'événement. Le duo d'enfer, hein, très très rapide, ça c'est sûr. Sera-t-il constant? C'est une autre question. Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala. Petit clin d'œil hein, par ce passage dans ce village qui s'appelle Saint-Julien. Le copilote de Sébastien Ogier, c'est justement Julien Ingracia. Une paire très très soudée
qui vise clairement le titre mondial. Un Français donc pourrait succéder à un autre, mais attention à ce diable de Jari Matti-Latvala, qui l'année dernière a montré de sérieux progrès, notamment sur asphalte. Son problème, on le connaît, hein, parfois ça passe ou ça casse pour Latvala. On attend d'ailleurs de voir comment ça va se passer, la cohabitation entre Ogier et Latvala. Y aura-t-il une rivalité interne? L'un devra-t-il se mettre au service de l'autre? Ça n'est pas impossible. Ce sera un des enjeux majeurs de cette saison 2013 que de voir comment ça se passe chez la marque allemande. La majorité des concurrents qui a chaussé des pneus clous pour cette première journée à cause des conditions météo. Et après les quatre premières spéciales qui composaient la première journée, eh bien vous voyez le classement. Sébastien Loeb a pratiquement 1 minute 30 déjà d'avance sur Sébastien Ogier. Alors il semble bien, parce qu'il y a eu des soucis informatiques et les pilotes n'avaient pas les partiels, que Sébastien Loeb s'est lâché dans l'après-midi du premier jour. Il n'avait pas de repères et se lâchant, eh bien, il a collé une valise à tout le monde. Et oui, il faut le dire franchement. Par exemple, dans la spéciale 4, Sébastien Loeb l'a emporté avec 34 secondes 4 d'avance sur Hirvonen et 53 secondes 7 sur Sébastien Ogier. Donc à l'issue de la première journée, il y a déjà un leader clair et net qui s'est détaché. Ce leader, c'est Sébastien Loeb. Et croyez-moi, on le sait déjà, il faudra vraiment aller le chercher et ce ne sera pas facile. La deuxième journée de ce Rallye Monte Carlo 2013, on vous rappelle qu'à l'issue de la première journée, après 4 spéciales, Sébastien Loeb donc est assez solidement installé en tête avec déjà 1 minute et 20 secondes d'avance sur Sébastien Ogier. Hirvonen à 1 minute 46. A noter que Jari Matti-Latvala a été retardé en fait dans la deuxième spéciale. Il a subi une pénalité de 30 secondes pour avoir pointé en retard. Et puis autre péripétie de la première journée, Thierry Neuville, le jeune pilote belge, passé cette année de Citroën à Ford et qui n'est âgé que de 24 ans, eh bien Thierry Neuville a eu des soucis lors de la quatrième spéciale et il ne va pas repartir dans cette deuxième journée. Donc Thierry Neuville est out et ça fait déjà un pilote Ford en moins. La deuxième journée, c'est la plus dense au niveau des spéciales. Il y en a 6 au programme et la première d'entre elles, le jeudi matin donc, c'est la Batie d'Andorre, la Louvesque. 19 km au programme. Sébastien Loeb est prêt à s'élancer en tant que leader. Alors, on n'entend pas la voix de Daniel Elena, c'est dommage. Mais on voit que ça va vite, hein. Attention, là, c'est assez dégagé au niveau de l'adhérence, c'est mieux. Donc, Sébastien Loeb qui va vite. Malgré tout, il ne va pas remporter cette spéciale. Et oui, je vous le dis tout de suite, il ne va se classer même que 3e. Alors, qui a battu Sébastien Loeb? Eh bien, la réponse, la voici, c'est Sébastien Ogier. De nouveau, pratiquement le même scénario que la veille pour la première spéciale du jour. On s'en souvient, Ogier avait gagné le tout premier secteur chronométré. Eh bien, Sébastien Ogier remporte le premier secteur chronométré de cette deuxième journée. Confirmation donc en 14-22-3 que le potentiel de la Polo R WRC est énorme. Sébastien Ogier qui donc bat Sébastien Loeb pour la deuxième fois depuis le début du rallye.
Malgré tout, je vous disais que Sébastien Loeb n'avait pris que la troisième place dans cette spéciale. Cela veut donc dire qu'un pilote s'est intercalé entre les deux Français. Et ce pilote, une véritable sensation, c'est Evgeny Novikov, le jeune russe, 22 ans, copiloté par l'autrichienne Ilka Minor. Il fait un festival sur cette spéciale. Novikov donc qui se paye le luxe de devancer Sébastien Loeb et qui ne concède que 2 secondes 9 face à Ogier. Peut-être les débuts de la maturité. Oui, on espère ne pas avoir parlé trop vite. Mais regardez, malgré cette petite sortie de piste, eh bien Evgeny Novikov va donc quand même se classer deuxième de la spéciale. À se demander même s'il ne lui était pas arrivé cette mésaventure, s'il n'aurait pas remporté cette spéciale. Alors Novikov qui rit et Latvala un petit peu en difficulté. On retrouve Sébastien Ogier qui donc a remporté la spéciale numéro 5. Mais Latvala, j'en profite pour vous le dire, hein, moyen 9e de la première spéciale du jour. Et il est 6e au général, il a perdu une place. Sébastien Ogier peut-il continuer sur sa lancée de sa victoire dans cette matinée du deuxième jour? Eh bien pas vraiment. Tête à queue là pour Sébastien Ogier. Il peut repartir, il n'a perdu que quelques secondes, mais c'est bien la preuve que personne n'est à l'abri d'une erreur et d'une mésaventure. Et dans un paysage désormais uniformément blanc, Ogier repart à l'assaut du chronomètre, mais ça n'est pas lui qui va remporter les deux prochaines spéciales au programme, la 6 et la 7. Ça n'est pas Yarimati Latvala non plus, qui, on vous le disait, a commencé sa matinée moyennement avec une 9e place lors du 5e secteur chronométré. Et un stigmate sur la voiture nous indique que ça a un petit peu tapé également pour le Finlandais. Malgré tout, ça va un petit peu mieux dans les deux secteurs chronométrés suivants. Et on va écouter la réaction de Yarimati Latvala qui a adoré cette spéciale. J'ai eu un début difficile ce matin, mais là, les deux derniers secteurs ont été magnifiques. Des paysages somptueux, c'était tout blanc. Ah, j'ai vraiment adoré. Fantastique. For the people as well, so but no, it's great stage. Voilà, toujours un bon état d'esprit, hein, Yarimati Latvala, même lorsque c'est un petit peu moyen, il prend du plaisir derrière le volant. Et celui qui enfonce le clou, qui est en train vraiment de se révéler peut-être à tout le monde, c'est Evgeny Novikov. Après sa deuxième place de la 5e spéciale, eh bien, ni plus ni moins, il va enchaîner par deux victoires. Et oui, c'est lui qui gagne la spéciale 6 et la spéciale 7. Et à ce moment-là, il s'en va chasser le chrono de Mikko Hirvonen. Il le devance de 4 secondes 1. Et effectivement, il le passe au classement général. Voici désormais Novikov 4e. Et Hirvonen est 5e. Alors que l'avance de Sébastien Loeb, c'est un petit peu réduite, mais ça reste équivalent. Pratiquement 1 minute 17. Sordo 3e. Novikov donc qui passe Hirvonen pour la 4e place. Mais l'écart est assez faible entre les deux pilotes. On sent que cette bataille va continuer. La spéciale 8, donc c'est l'équivalent de la spéciale 5 du matin. Hein, c'est le début de la deuxième boucle. 19 km au programme pour aller jusqu'à Lalouvesque. Allez, on retrouve Sébastien Ogier. Il avait donc remporté cette spéciale ce matin. Eh bien, ça ne va pas être tout à fait la même histoire. Sébastien Ogier va se classer 3e.
À noter du côté des autres concurrents que lors de la matinée, eh bien, il y a eu un problème pour Mats Hosberg, le pilote numéro 1 chez Ford, qui a reçu 1 minute 50 de pénalité pour avoir pointé lui aussi en retard suite à un problème électrique. Donc il y a pas mal de petits soucis hein, pour tout le monde. Et Sébastien Ogier donc, qui ne gagne pas cette 8e spéciale, il se classe 3e, je vous le disais. Et pour l'instant, Sébastien Loeb a une bonne avance hein, sur vous. Comment vous appréhendez tout ça? Non, ça n'a jamais été le plan d'aller le chercher, vous savez. Vous n'arrêtez pas de me poser la question sur ma rivalité avec Sébastien Loeb. Mais moi, je me bats pour le titre. Donc, Sébastien Ogier l'avoue à ce moment-là. Il n'ira pas tout tenter pour aller chercher Sébastien Loeb, qui, on s'en doute, a fait la différence dès la première journée. Mais l'objectif de Sébastien Ogier, il est clair, il vient de nous le dire, c'est d'aller chercher les points importants de la deuxième place en vue de la gestion du championnat global. Voilà une information très importante livrée par Sébastien Ogier à l'issue de cette 8e spéciale. Alors Ogier qui avait donc pris la 3e place, il va se faire battre par deux pilotes Citroën. Et le premier d'entre eux, c'est Dani Sordo. Sordo qui va prendre la 2e place de la spéciale et qui à ce moment-là va passer à la 3e place au général. On se retrouve maintenant dans la 9e spéciale, Saint-Bonnet-Saint-Julien. Et cette bataille qui continue entre Novikov et Hirvonen. Alors tout à l'heure, je vous disais, hein, Ogier s'était fait battre par deux pilotes Citroën, Sordo s'est classé 2e, ben, vous l'avez compris, celui qui a remporté la 8e spéciale, c'est Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui ne va pas remporter la 9e spéciale. Celui qui va la gagner, c'est Juho Hanninen, le Finlandais, le pilote Ford. Mais nous, on s'intéresse à cette bataille entre Novikov et Hirvonen. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a que 3 dixièmes d'écart entre les deux hommes. Exceptionnel. Et après la spéciale numéro 10, eh bien, l'écart va se creuser en faveur de Novikov, qui reprend environ 29 secondes à Hirvonen. Pendant que Loeb a désormais 1 minute 35 d'avance sur Ogier. Sordo bien accroché à sa 3e place. Et puis derrière donc Latvala 6e. Hanninen qui a donc gagné une spéciale, il est 7e. Brian Bouffier, le Français, qui pilote une Citroën DS3 et qui est un ancien vainqueur ici au Monte Carlo. Il est bien dans le top 10. Mais donc celui qui mène les débats plus que jamais, qui contrôle la situation, qui a gagné 2 spéciales dans cette 2e journée, c'est Sébastien Loeb. Pas de grand changement dans le top 10, mais un homme que l'on continue d'aller chasser peut-être et qui continue d'imposer sa loi alors qu'il a annoncé que c'était pratiquement eh bien, une année de quasi pré-retraite. Hein. C'est dire encore le niveau de Sébastien Loeb, sa forme éblouissante affichée par rapport à ses adversaires. On pourrait peut-être même se demander si c'est pas une situation un petit peu humiliante pour les autres. Le fait est qu'il reste à ce moment-là encore 2 journées de compétition et que tout peut arriver, même pour Sébastien Loeb.
Merci d'être toujours en notre compagnie pour les meilleurs moments du Rallye Monte Carlo 2013 que vous pouvez retrouver donc sur ce DVD échappement. Je ne saurais trop vous inciter également à aller voir du côté des bonus hein, avec deux caméras embarquées superbes, spectaculaires. Une pour Sébastien Loeb, une pour Sébastien Ogier. De quoi bien se caler dans son fauteuil et déguster le WRC avec ce qu'il y a de meilleur finalement, cette sensation de vitesse dans ces petites routes de montagne avec donc ces très belles caméras embarquées. À l'issue de la deuxième journée, donc Sébastien Loeb en tête avec 1 minute 34 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Sébastien Ogier. Dany Sordo est troisième, Evgeny Novikov qui fait feu de tout bois, il est quatrième, Mikko Hirvonen est cinquième, Jari Matilatvala est sixième mais déjà à plus de 3 minutes 40. Il y a trois spéciales seulement au programme pour la troisième journée, mais trois très belles spéciales avec un kilométrage assez élevé. Et ça va commencer donc par la 11e. Saint-Jean-en-Royan, la cime du Mât, 33 km de haut programme. Et pour tous les pilotes, eh bien, va se poser le problème du choix des pneus. Et regardez, Mats Hosberg, donc, le nouveau pilote numéro 1 de l'équipe Ford, eh bien, celui qui va le conseiller pour la monte pneumatique, eh bien, ça n'est ni plus ni moins que son père, que l'on voit à sa droite. Alors, les pilotes ont tout un éventail hein, de pneus à leur disposition. Alors, les plus évidents, ce sont les pneus slick, mais il y a aussi les pneus clous. Ça, c'est aussi évident sur ce genre de terrain. Et au milieu, eh bien, vous avez des pneus neige et des pneus soft, voire des pneus super soft. Donc il y a de quoi choisir, il y a de quoi se tromper, il faut bien le reconnaître. Et les pilotes, avant chaque boucle, en portent 6 pneus. 4 qu'ils vont donc monter et ils en ont 2 de rechange. Et ils auront la possibilité évidemment de changer de pneus entre deux spéciales. Donc à chaque fois, la grande question, c'est de savoir qui a pris quoi. Et on se souvient dans le passé que certains pilotes, certaines équipes s'étaient complètement loupées au niveau du choix des pneus. Par exemple, en 2011, lorsque le pilote français Brian Bouffier avait gagné le Monte-Carlo, eh bien, il avait profité d'une grande erreur hein, de ses adversaires, notamment chez Skoda, où on s'était loupé au niveau des pneus, puisqu'en plus il neigeait à ce moment-là. Et Brian Bouffier en avait profité pour faire une différence assez importante. Et cela l'avait conduit donc à la victoire. Du côté des anciens vainqueurs d'ailleurs de ce Monte-Carlo au départ, il y a donc Brian Bouffier, il y a Sébastien Ogier qui a gagné le Monte-Carlo en 2009, il y a Mikko Hirvonen qui l'a emporté en 2010, et il y a bien sûr Sébastien Loeb qui a déjà gagné à 6 reprises cette épreuve. Il l'a remportée en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2012. C'est assez incroyable hein, ce qu'a fait Sébastien Loeb et qui est en chasse évidemment pour une 7e victoire ici en Principauté. Mais face à lui, eh bien, donc pas mal d'adversaires, dont Mats Hosberg, dont on peut penser qu'il est un des très très grands espoirs du rallye mondial et peut-être en mesure d'aller chercher une couronne mondiale lorsque Sébastien Loeb ne sera définitivement plus là. Mais une belle complicité, hein, on le voit, unis le fils et le père sur ce terrain si difficile de Monte Carlo pour ce premier rallye de l'année. Les grandes qualités de Mats Hosberg, on le sait, c'est une certaine solidité, une certaine maturité, voire une intelligence de course. Et c'est pour ça que Malcolm Wilson l'a vraiment engagé pour tirer vers le haut son équipe. Alors que certains autres pilotes sont peut-être un petit peu plus rapides que lui, on pense à Novikov, voire à Thierry Neuville, mais peut-être un petit peu plus inconstant. Donc Mats Hosberg va avoir un grand rôle à jouer en cette année 2013. Et ça passe peut-être dès cette première épreuve par une bonne gestion de la course et par le fait de ne pas se tromper, notamment dans le choix des pneus. On vous rappelle malgré tout qu'il a subi une pénalité d'une minute 50 lors de la deuxième journée pour avoir pointé en retard, mais il avait subi un problème électrique et il doit quand même un petit peu cravacher pour revenir. Il n'est pas dans les 6 premiers à ce moment-là au classement général. Mais allez, je vous le dis tout de suite, Mats Hosberg va remporter une spéciale dans cette troisième journée. Il va remporter la 12e spéciale du rallye, la deuxième de la journée. Donc, il a trouvé de nouveaux réglages, manifestement, Mats Hosberg. En plus, il ne s'est pas loupé dans le choix des pneus. Donc, ça va bien se passer pour lui dans cette troisième et avant-dernière journée avec une belle victoire de spéciale. Voilà, Mats Hosberg, donc, qui gagne le secteur numéro 12. Il s'était classé 3e du secteur chronométré 11. Donc, c'est un très, très bon début de journée pour Mats Hosberg. Et malgré tout, à ce moment-là, il doutait un petit peu de sa performance. Mais vous n'avez jamais vraiment été en mesure de vous battre pour la victoire sur un Monte Carlo, donc vous apprenez aussi. Ben oui, c'est la seule chose positive, c'est que j'en ressors forcément de l'expérience.
Allez, Saint-Jean-en-Royant, la cime du Mât. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Osberg allait gagner la spéciale suivante, qu'il avait pris la troisième place de cette première spéciale, mais donc maintenant on va s'intéresser aux autres concurrents. Tiens, Brian Bouffier, Xavier Panseri. Voilà, ça fait plaisir de retrouver donc cet ancien vainqueur, le français Brian Bouffier, ancien champion de France des rallyes. Oh, attention, eh oui, hélas, un souci pour Brian. 100 mètres. Gauche 93, Tarpour. Sors. Eh oui, mais il va être poussé par les spectateurs et il va pouvoir repartir Brian Bouffier. Malgré tout, à ce moment-là, évidemment, il perd du terrain. Il n'est que 9e au général. On est sorti. On était coincé. On a perdu beaucoup de temps. Mais grâce aux spectateurs, eh bien, ils nous ont aidés à revenir sur la route et on a pu repartir. C'est dommage. C'est comme ça. Brian Bouffier qui tombe à la 9e place au classement général à 7 minutes 36 de Sébastien Loeb, toujours en tête. Mats Hossberg donc 3e. Et retour à l'assistance. Et vous voyez que du côté eh bien, de l'équipe Qatar M-Sport, pendant que le fiston est en action, eh bien, Morten Hossberg, son père. Voilà, on a des éclaireurs hein, qu'on a envoyés sur le terrain et qui nous renseignent sur l'état des routes. Donc ça nous permet d'actualiser un petit peu la situation et d'avoir les meilleures informations possibles en ce qui concerne et la météo et l'adhérence. Et ensuite, eh bien, à la mi-journée, on pourra faire le point et conseiller de la meilleure des manières, évidemment, le fiston Mats Hossberg. Voilà, ça passe par ça aussi, hein, une organisation en championnat du monde des rallyes pour les équipes professionnelles. Et c'est vrai que ces dernières années, hein, on a toujours eu le sentiment que chez Citroën, eh bien, on était parfaitement organisé. Alors que chez Ford, il faut bien le reconnaître, parfois les choix ont été un petit peu plus hasardeux. Et ça a souvent coûté cher. Alors toujours donc dans cette 11e spéciale, Mats Hossberg, je vous le disais, va prendre la 3e place à 3 secondes 8 de celui qui va la remporter, Sébastien Loeb. Ouais, ça va de mieux en mieux. Moi, je sais que sur asphalte, je m'améliore rallye après rallye. Donc pour l'instant, c'est pas mal, franchement. Bien sûr, il y a des endroits où c'est difficile. On est très prudent. Mais je suis content parce qu'au niveau des réglages, c'est bien. Et ça va mieux donc pour Mats Hossberg qui enchaînera un petit peu plus tard par une victoire de spécial. Danny Sordo. Troisième donc au classement général, à 2 minutes 38 de Sébastien Loeb avant de démarrer cette troisième journée. Ah oui, on est sur des œufs, hein. C'est vraiment le sentiment que ça donne lorsqu'on voit ces caméras embarquées pour tout le monde. Il faut être très très prudent. Et attention au mur de neige aussi sur le côté. Et il y a des mauvaises surprises, un tête à queue pour Danny Sordo dans cette 11e spéciale. Un véritable 360 degrés, mais il repart très vite. Allez, c'est une frayeur, plus de peur que de mal. Il ne va pas perdre trop de temps puisqu'il ne va concéder que 17 secondes 6 à Sébastien Loeb. Danny Sordo, il va prendre la 8e place de la spéciale. Novikov, toujours opposé à Hirvonen hein, pour la quatrième place. On se souvient qu'il avait fait un petit peu le break, Novikov, à l'issue de la deuxième journée. Eh bien, il va enfoncer le clou là aussi, puisqu'il va se classer quatrième de la première spéciale du jour et Hirvonen seulement la septième place. Donc, ça va toujours très bien pour le Russe. Retour à l'assistance, Danny Sordo, donc toujours un petit peu sous le choc de sa figure. Novikov, lui, qui est content, solidement accroché à sa quatrième place. Et j'ai maintenant, nous dit-il, 33 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. Donc je suis content, ça se passe bien. Et je vais essayer de revenir sur Danny Sordo, puisque je n'ai plus que 8 secondes de retard sur l'Espagnol.
Voilà, il a le sourire, sa prochaine victime, c'est peut-être Dani Sordo. Attention, la menace Novikov se précise pour Sordo. Oui, en Russie, il connaît ce genre de conditions avec la neige, donc c'est pour ça qu'il est avantagé. Et Dani Sordo qui ne perd pas l'humour, mais c'est peut-être pas faux. Allez savoir si Novikov ne retrouve pas des conditions un petit peu russes dans ces paysages du sud-est de la France, avec maintenant la 12e spéciale. Saint-Nazaire-le-Désert, La Motte-Chalençon, 22 km au programme. Et on retrouve Dani Sordo, donc attention, danger, sa troisième place est menacée. Aïe, 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 des soucis là pour Dani Sordo qui n'y est pas trop. Il enchaîne les petits pépins et ça va lui coûter cher puisque dans cette 12e spéciale, il ne va prendre que la 9e place du secteur chronométré, concédant 18 secondes 1 à Mats Osberg, dont je vous dis depuis le début qu'il va bien gagner cette spéciale. Donc on vous le confirme une nouvelle fois. Superbe performance du Norvégien Osberg qui s'impose et Sordo donc dans le même temps qui prend la 9e place seulement. Et comme Novikov s'est classé 2e, et bien à ce moment-là c'est fait. Novikov s'empare bien de la 3e place au général. Et la dernière spéciale du jour, la 13e, alors c'est un monument du Monte Carlo, des noms là aussi mythiques. Sisteron, Tohar, 36,7 km au programme. Et on a le sentiment que Sébastien Loeb veut absolument remporter ce tronçon mythique. Sébastien Loeb qui va y parvenir, une véritable démonstration de la part du champion du monde et du tenant du titre. Il va coller 8 secondes 7 à son plus proche rival. Il n'y a pas de problème pour le choix des pneus, on a des gens qui nous renseignent. Donc là, honnêtement, il n'y avait pas le choix. C'est pas forcément amusant là, de piloter dans ces conditions, mais on l'a fait et on l'a bien fait. Car en fait, c'était une monte mixte pour Citroën avec des pneus gauche et droite qui ne sont pas identiques. Et voilà pourquoi Sébastien Loeb nous disait que ce n'était pas forcément évident, mais il a bien géré la situation comme à son habitude. Et c'est donc lui qui gagne cette 13e spéciale. Et Jari-Matti Latvala va se classer 2e. Améliorant le chrono. De Mikko Hirvonen notamment, et Latvala donc deuxième de la spéciale à 8 secondes 7 de Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen, lui, ne se classant que 9e de cette spéciale. Could you manage it on full slicks? Vous auriez pu être en pneu en slick? Very tricky. Non, ça aurait été très très piégeux. Donc il fallait mieux avoir des clous à un moment donné, même s'il n'y a pas que de la neige ou de la glace partout. Latvala quand même estime que c'était le bon choix. Et ça a payé puisqu'il a pris la 2e place de la spéciale. Il a notamment fait mieux que son coéquipier Sébastien Ogier qui lui a pris la 3e place. Alors Mats Osberg va-t-il pouvoir enchaîner sur la lancée de sa victoire dans le 12e secteur chronométré? C'est un petit peu plus difficile dans ce passage. Chez Ford, là aussi, on a mis deux pneus clous d'un côté, deux pneus neige de l'autre. Et ça s'est moyennement passé pour Osberg. Sixième, il a concédé 33 secondes à Sébastien Loeb. Ouais, c'était pas évident de savoir si on avait vraiment de l'adhérence. Des fois, on avait l'impression qu'on était en slick. Des fois, on sentait bien les clous. C'était pas évident. Voilà, mais comme chez Citroën, on avait pris aussi des pneus neige. J'ai quand même pu attaquer à la fin. Et je savais, j'étais renseigné, donc j'ai vraiment attaqué. Et notamment quand c'était un petit peu plus sec, là j'avais de quoi un peu plus avoir des arguments pour aller les chercher. Et c'était plutôt sympa, je me suis bien amusé. Voilà, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, c'est une bonne journée pour Osberg. Et après donc la 3e journée, eh bien regardez Loeb, Ogier, bon une 47 maintenant, ça ne bougera pas a priori. Novikov qui est donc bien 3e, Sordo 4, Latvala a doublé Hirvonen, Hirvonen a perdu 2 places dans la journée et par rapport à,
à Latvala et par rapport également à Novikov un petit peu plus tôt. Et puis donc, on vous le rappelle, Novikov a doublé Dani Sordo. Il reste donc à ce moment-là une journée de compétition. Sébastien Loeb est bien parti pour aller remporter son 7e Monte Carlo. Oui, mais il reste encore une journée complète de course et il reste notamment 3 passages dans le fameux col du Turini. Et de nuit en plus. Voilà donc qui va corser la 4e et dernière journée. Et peut-être qu'effectivement, le scénario n'est pas encore tout à fait écrit. Allez savoir. La 4e et dernière journée de ce Rallye Monte Carlo 2013 à revivre dans ce DVD échappement. Avant de voir comment se sont passées les 5 dernières spéciales avec notamment le col du Turini, un petit détour par d'autres catégories car il y a une nouvelle nomenclature cette année en vigueur dans le monde du championnat du monde des rallyes justement. Alors après le WRC, la discipline principale, il y a le WRC2 et le WRC3. Voilà, c'est plus simple à comprendre. Le WRC2, c'est l'ex-SWRC pour les voitures S2000, 4 roues motrices, moteur turbo. Victoire d'un Allemand, Sepp Wiegand sur Skoda. 14 victoires de spécial pour lui, bravo. Et en plus, il termine dans le top 10 au général du rallye, puisqu'il prend la 8e place. Et puis en WRC3, les 2 roues motrices, victoire française avec Sébastien Chardonnay sur Citroën. La 14e spéciale, Moulinet. La Bolène Vésubie donc avec le passage au col du Turini, 23,5 km au programme et des conditions météo absolument dantesques puisque c'est recouvert globalement de neige et de glace et en même temps il pleut. Et voilà qui va singulièrement compliquer la donne. C'est parti avec Sébastien Loeb et on va vite se rendre compte que les pilotes ne sont pas à l'aise du tout. Sébastien Loeb, il est là pour aller chercher la victoire, bien évidemment. Ça n'est pas à lui de prendre les risques principaux. Et je vous le dis tout de suite, Loeb va se classer 4e de la spéciale à 52 secondes 7 du vainqueur de la spéciale. C'est pas tous les jours que Sébastien Loeb concède pratiquement une minute à son vainqueur. Sébastien Ogier, lui, va devancer Sébastien Loeb. Mais là aussi, regardez comme c'est difficile. Ogier qui va prendre la 3e place à 49 secondes du vainqueur. Un vainqueur, franchement, qui a réalisé une performance exceptionnelle. Regardez comme c'est délicat. La neige plus la pluie. Beaucoup de pilotes diront à l'arrivée, c'est la spéciale la plus difficile qu'on ait jamais disputée sur un Monte Carlo. Voilà, Sébastien Loeb à l'arrivée. Alors, comment c'était? C'était inconduisible. Voilà, c'était de la neige fondue en fait. Aucun grip, aucune adhérence. Dans les lignes droites, parfois j'étais à 30 km/h, pas plus. C'était impossible d'aller plus vite. C'était terrible. Et je crois qu'on a fait les lignes pour les autres derrière qui vont en profiter. Oui, c'est une nuance très importante aussi à apporter en faveur de Sébastien Loeb. C'est lui qui s'élance à chaque fois en premier. Donc c'est forcément pas lui qui a la partie la plus facile. Mais bon, l'histoire retiendra que Sébastien Loeb, bien battu dans cette première spéciale, alors que Novikov qui part à la faute. Aïe, aïe, on s'en doutait, hein, vous me direz, que dans ces conditions si piégeuses, eh bien, des pilotes allaient peut-être connaître de gros problèmes. Eh bien, le premier d'entre eux, c'est Evgeny Novikov, qui est obligé de s'arrêter. Il était troisième, le Russe, en passe d'aller chercher le podium au Monte Carlo, rendez-vous compte. Et il peut repartir dans un premier temps, mais on va s'apercevoir très vite qu'il n'est plus que sur 3 roues. Et ce sera impossible pour le Russe de continuer dans ces conditions. Ça va donc être l'abandon pour Evgeny Novikov. Et les malheurs de Ford qui vont continuer. Voici Juho Hänninen. On n'en a pas trop parlé, mais il est toujours dans le top 10 du classement général. Et lui aussi va taper très fort. C'est un deuxième pilote Ford au tapis. Et comme Thierry Neuville avait abandonné après la première journée, cela veut dire qu'il ne reste plus que Mats Hosberg.
terrible désillusion pour Ford dans cette dernière journée du Monte Carlo. Alors Mats Hosberg, lui, va tenir bon, puisqu'il va prendre la deuxième place de la spéciale à 29 secondes, une quand même, du vainqueur qui a réalisé vraiment une performance incroyable. Alors, si ça n'est pas Loeb, si ça n'est pas Ogier, si ça n'est pas Hosberg qui gagne ce spécial, de qui s'agit-il? Auparavant, écoutons, avant la réponse, écoutons Mats Hosberg. Ouais, on a pris des réglages plutôt asphalte. Et franchement, je ne suis pas autorisé à jurer en direct, mais je peux vous dire que c'était absolument dantesque. Allez, disons que je me suis bien amusé. Ouais, c'est un langage diplomatique. Eh bien, c'est dommage qu'on ne voit pas l'image de celui qui a remporté la 14e spéciale. C'est Brian Bouffier, le Français, qui remporte donc son premier temps scratch en championnat du monde dans sa carrière et qui donc a mis tout le monde d'accord avec des écarts absolument incroyables. On l'a vu, Novikov n'a donc pas pu continuer. C'est terminé pour le Russe. Dommage, il y avait vraiment un podium en vue. Et la nuit est désormais tombée avec la 15e spéciale Lantosque-Lucéram, 19 km au programme. Et puis on sait qu'après, on reviendra donc du côté du Turini. Mats Hosberg, est-ce qu'on arrive à distinguer quelque chose? Pas évident, hein. Oh, attention, Mats Hosberg qui se retrouve en tête à queue. Une petite manœuvre et ça repart. Il va prendre la 6e place de cette 15e spéciale. Et la pluie, effectivement, qui tombe beaucoup. Et déjà, à ce moment-là, on se pose des questions sur la suite de la journée. Parce que dans ces conditions, eh bien, des spectateurs vont vouloir partir peut-être du bord des routes. Et c'est pas évident d'imaginer qu'ils vont pouvoir le faire dans des conditions satisfaisantes de sécurité, surtout si le rallye continue. Enfin bref, retour à l'assistance. Situation à surveiller. Mats Hosberg qui a donc des problèmes de suspension et de frein. Et oui, on l'a vu donc partir à la faute tout à l'heure. Autre inquiétude chez Ford, Novikov n'est plus là, Haninen n'est plus là, Neuville n'est plus là, il ne reste plus qu'Hosberg. Et on s'inquiète. Et la situation n'évoluera pas. Alors, vous le savez, les deux dernières spéciales seront finalement annulées. J'avais commencé à vous en parler, donc pour des problèmes de sécurité compte tenu des conditions météo. On annule le dernier passage dans le Turini. Et donc, vous avez vu le classement, c'est bien celui qui est entériné après la 16e spéciale qu'a remporté Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, vainqueur du rallye Monte Carlo 2013. Ça a été une édition absolument incroyable, on a connu toutes les conditions. Sec, mouillé, neigeux, verglacé. Nous sommes contents d'être à l'arrivée, d'avoir été jusqu'au bout. Et franchement, je crois qu'on a dominé le rallye depuis les premiers moments. Donc je suis vraiment très content de gagner. Un triomphe relativement modeste pour Sébastien Loeb et quand même la joie dans l'équipe Volkswagen, puisque Sébastien Ogier prend bien la deuxième place. Et Jari-Matti Latvala, lui aussi, a craqué. Il n'a pas pu rallier l'arrivée de la 14e spéciale. Donc, il n'y a qu'un pilote de la marque allemande à l'arrivée. Mais Sébastien Ogier peut être vraiment très satisfait. C'est ce qu'il est en train de nous dire, de sa deuxième place. À la fin de l'année dernière, je savais que la voiture était vraiment très performante et qu'on avait fait de bons progrès. Honnêtement, je ne savais pas trop quel allait être son potentiel dans le feu de l'action. Et je suis très très content de ce résultat. C'est parfait. J'ai le sourire. Le rythme a été bon tout le week-end. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle de savoir que la voiture est bien née. Sébastien Loeb donc est le premier leader de ce championnat du monde 2013. C'est une situation d'autant plus paradoxale qu'on sait qu'il ne fera pas l'intégralité du championnat. Sébastien Ogier marque 18 points, très précieux certainement dans l'optique du titre. Dani Sordo 3e, Mikko Hirvonen 4e, Brian Bouffier, oui, 3 Français dans les 5 premiers quand même de ce Monte Carlo. Loeb, Ogier et Bouffier. Et puis d'autres pilotes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou de citer mais qui sont dans le top 10. Le classement des constructeurs. Et donc, une histoire de chiffre 7 pour Sébastien Loeb. 7e victoire au Monte Carlo, 7e victoire aussi pour Daniel Elena et 77e victoire dans leur carrière. Un podium pluvieux, mais un podium heureux.
par Maître. On a été ravis de vous retrouver donc en ce début d'année pour commenter ces meilleurs moments du Rallye Monte Carlo 2013. Merci à vous, merci à Échappement de vous proposer ce DVD. J'espère vous retrouver très très vite. En attendant, vivez à fond la passion du WRC. Salut à tous.